Dites-moi, c'est quoi ce truc qui empêche les gens de quitter Aurora? C'est le... qui a trouvé le nom. Et il n'y a aucun point faible? Le périmètre est constitué de différents secteurs interconnectés, et chaque secteur a son propre essaim de drones. Chaque essaim est contrôlé par une IA qui passe par un terminal de relais local. J'ai compris que c'était un système de surveillance, mais il a abattu mon hélico sans tirer une seule balle. Oui, les essaims sont constitués de dizaines de drones miniatures qui se déplacent à l'unisson, comme une nuée. Genre piaffe dans un réacteur, quoi. Non. Nous avons créé des abeilles artificielles. Leur objectif est de polliniser. C'est Stone et Walker qui ont militarisé nos essaims pour en faire un bouclier mortel. Qui pense comme ça? Les gens qui ont soif de pouvoir. Skelltech devrait se mettre à penser comme ses clients. Walker, vous le connaissiez bien? Eh bien, nous avons réglé des choses ensemble. Il est arrivé ici en tant que conseiller militaire après l'attentat à Skelltech. Nous étions encore en train de pleurer nos amis perdus. Et ce héros débarque. Il était magnétique, charismatique. Un peu comme une star de la télé. Ouais, il serait capable de charmer les puces d'un chien. Il a changé après avoir quitté l'unité. Il n'en a jamais parlé? C'est top secret. Disons simplement que c'était une sale histoire. Fox dit que vous êtes son meilleur ami. Ouais. Je n'y ai jamais pensé, mais je dirais que c'est réciproque. Par les temps qui courent, les vrais amis se comptent sur les doigts d'une main. Et vous le connaissez depuis longtemps, genre depuis le lycée? Non, il y a quelques années, je l'ai engagé comme consultant. Il travaillait sur le problème P égale NP. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est l'un des problèmes mathématiques les plus insolubles. Mais Fox était si enthousiaste à propos de tout que j'ai élargi son champ d'action. Il était impliqué dans tous les projets non militaires de Skelltech. C'est bon de le compter parmi ses amis. Tout à fait. Hé, hey Einstein, j'ai toujours cru que vous étiez pacifiste. C'est vraiment dommage que vous vous soyez mis à faire des drones mortels, vous croyez pas? J'imagine que j'étais naïf. J'espère toujours le meilleur des gens. Et puis, une bombe explose et je rencontre les mauvaises personnes au mauvais moment. J'adhère à leur logique du « si tu veux la paix, porte une grosse matraque ». Stone a même dit « après tout, Dieu a des anges vengeurs qui gardent le paradis ». Je ne me suis jamais senti à ma place ici. Nous construisons un paradis sur Terre et nous ne sommes pas des dieux. C'est pour ça que vous avez gardé secret le projet Omega? Parce que certaines personnes pourraient voir ça comme un coup de pub, garder l'image d'un pacifiste tout en s'enrichissant dans la vente d'armes. L'image, c'est important, mais on ne met pas sa ceinture parce qu'on compte avoir un accident de voiture, n'est-ce pas? Prudence est mère de sûreté. Exact. Évitez les ennuis. Comme toujours, nomade. Ok, Einstein. Racontez-moi un peu votre plan. Je peux exploiter une faille dans la programmation des drones pour contrôler le secteur qui gère les drones dans le périmètre de l'île. Mais j'ai besoin d'aide. Il faut retrouver mon ingénieur en chef, faire en sorte que l'accès à la programmation des drones reste ouvert, et récupérer une IA avancée qu'on développait.
Qu'est-ce que je dois faire concernant le programme des drones? Le backdoor, la faille dans le programme, doit rester ouvert. Treston est au courant de cette faille. Et j'avais chargé une équipe d'experts en sécurité informatique de la combler. Les types qui l'embarquaient dans la vidéo. Donc il les remet au travail. Je vais les libérer. Vous savez où ils peuvent être? Il y a un laboratoire qui héberge les serveurs de l'équipe de sécurité. Autant détruire ces serveurs du même coup, histoire que personne prenne le relais. Ça marche. Parlez-moi de cet ingénieur qu'il vous faut. Paula Madeira, c'est mon experte en drone. Une femme brillante. Je ne peux pas écrire ce programme sans elle. Je sais qu'elle est toujours sur l'île, mais elle a quitté Skelltech juste après l'arrivée de Sentinel Corp. Est-ce qu'il la recherche? Aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est où elle habitait. C'est un bon début. Parlez-moi de cette IA. On en a besoin pour s'introduire dans le programme de contrôle des drones et pirater un secteur. Cette IA est la pièce maîtresse de notre campus, qui surplombe Saint-Patrick Lake sur Darkwood Island. Vous savez quels sont les effectifs de sentinelles sur cette île? Important. Des soldats et des caméras partout. D'accord. Et comment je la récupère, cette IA? Trouvez Christina Cromwell. Quand Grace Maddox, notre informaticienne en chef, a commencé à être contestée, Cromwell a repris le service IA. Maddox est brillante, mais Cromwell connaît l'IA sous toutes ses coutures. Elle devrait savoir comment faire pour qu'on y ait accès. J'ai besoin d'en savoir plus sur Paula Madeira. Depuis quand vous la connaissez? Ça fait des années. Je l'ai engagée alors qu'elle faisait toujours des études supérieures. Elle n'avait que 20 ans, mais elle était tellement brillante. Je savais qu'avec elle, j'allais pouvoir poser les bases du programme de drones avancés de Skelltech. Vous êtes des amis ou il y avait quelque chose d'autre entre vous? J'ai dû rater un épisode. Je crois qu'en étant recrutée si jeune, elle n'a jamais vraiment appris à s'adapter. Elle n'aimait pas travailler avec Walker. Et j'aurais pu gérer ça différemment. Je sais qu'il faut que je lui parle à ce propos. Vous m'avez pas répondu. Elle était spéciale. Et c'était aussi l'une des premières à y croire vraiment. Et avec le recul, elle avait raison. Elle avait percé Walker à jour. Elle était immunisée contre son charme. Et je n'ai pas écouté ses avertissements. Évitez les ennuis. Comme toujours, nomade.
Je suis pas du côté des employés, mais quand même, j'aurais pensé qu'ils résisteraient un peu plus. C'est parce que Yann Blake gère la sécurité. Il passe tout son temps à surveiller ce que font les employés. Et voilà. Thank you.
Qu'est-ce que vous voulez? Salut. Vous m'aidez à localiser cet accessoire d'arme? Ce serait sympa. Je sais où on peut dégoter ça. Je vous remercie. Au revoir. Je veux pas d'ennui. Vous voulez bien vous écarter un peu?
grand-chose ici. Je vois rien de suspect. Merde. Ça me donne envie de faire un carton. Histoire de rompre un peu la monotonie. Allez! Présent, Cindy! J'ai touché l'ennemi! Thank you.
Docteur Christina Cromwell, je m'appelle Nomad. J'étais à bord d'un des hélicos qui se sont crashés sur Aurora. Je suis avec Jeskel. Il est vivant? C'est incroyable. Les annonces d'Ayana Puri ont de quoi faire peur. Comment va-t-il? On cherche à évacuer les civils d'Aurora. Pour ça, on a besoin de votre aide. Mais sur cette île, cet ex-flic qui bosse pour Sentinel Corp, Ian Black, il contrôle absolument tout. Enfin, les drones de surveillance qui sont censés nous défendre, ce sont eux qui nous retiennent prisonniers en fait. Il y a quand même une petite différence entre la vidéosurveillance et un état policier totalitaire. Oui, ça je ne vais pas dire le contraire. Écoutez, Jess pense pouvoir désactiver assez de drones pour nous permettre d'évacuer des civils et de faire venir des renforts. Et pour ça, il veut l'IA. Ben voilà. L'équipe sécurité a procédé à un audit de nos systèmes il y a 2 mois. Si vous dénichez ces rapports, j'aurai, comme qui dirait, toutes les cartes en main pour pirater l'IA. Ils ont pas comblé les failles depuis le temps? Non, non, ça m'étonnerait. Même dans l'endroit le plus avancé de la planète, la bureaucratie est lente comme pas possible. Allez à Archimedes Hall, c'est le nom du centre de données. Les rapports doivent s'y trouver.
d'autres intrus par chez moi. Pareil. Calme est revenu de mon côté. Zone claire aussi. Si ça se trouve, ils sont cachés pas loin. On n'est pas tiré d'affaire. Restez à l'affût. Les employés de Skell ont été dociles jusqu'ici. Je dois que ça soit. C'est très courageux de te cacher dans le noir. Je crois qu'il y a des ennemis dans notre secteur. Moi, je suis, on vient de l'arrivée des ennemis. Je vais aller jeter un œil. Les forces ennemies! Attaque! Thank you.
Surprise, sac à merde. File-moi ton mot de passe et on se quittera sans que tu couines comme un goré. Ok, du con, je te pose la question une fois et une seule. Où est Walker? Je jure que je t'ai tout raconté.
a dû y avoir une tentative de piratage. Le réseau de sécurité l'a bloqué automatiquement. La cybersécurité, c'était pas trop mon truc. Et ça l'est toujours pas. Mais enfin, oui, on devrait pouvoir désactiver le réseau. Il va encore falloir jouer les hackers. Oui, ce sera ma partie. La vôtre, ce sera surtout faire exploser des trucs. Ça me va très bien. Ok. En théorie, je peux télécharger l'IA si vous arrivez à brancher un dongle dans le système du centre de transmission. Bon, bien sûr, il n'est pas idiot. Blake se sert de notre réseau de sécurité. Est-ce qu'on peut arrêter le réseau? Le temps qu'on puisse télécharger ce qu'il nous faut. Oui, bien sûr. Si on détruisait l'antenne au sommet de la montagne, ça ralentirait le réseau de Darkwood Island. Mais les lignes terrestres, il faudrait aussi les couper. Sauf qu'elles sont, je crois, dans une caverne près de la côte. Si vous arrivez à les couper, là, je devrais pouvoir télécharger l'IA. Bougez pas, je m'en occupe. Eh bien, vous ne manquez pas d'assurance. On se retrouve à l'endroit que j'ai indiqué sur votre carte. Bonne chance.